Bonjour, bienvenue une fois encore sur notre chaîne Agile Group où nous parlons de ce que nous faisons, nous parlons également de la culture innovante, l'expérience des autres et notre expérience. Aujourd'hui, nous avons fait une petite opération au jardin. En réalité, ce n'est pas pour réellement faire la récolte, mais c'est pour arranger le jardin. Nous sommes au niveau de nos abîmes. Vous allez voir que la croissance n'est pas homogène parce que quoi? Quand on avait mis les grains, il y a d'autres qui n'ont pas germé, on est obligé de remettre encore les grains. C'est pourquoi la croissance n'est pas homogène. Mais pour rendre cela homogène actuellement, on doit enlever ceux qui sont un peu plus grands pour permettre aux autres d'avoir, de revenir à leur niveau également. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui matin. C'est une petite récolte. En réalité, ce n'est pas une récolte en tant que terre, mais c'est pour harmoniser l'évolution de notre ADN dans le jardin. On va voir ce que ça va donner ce matin. Et je vais tout faire pour faire cette sauce avant d'aller au travail ce matin. Pour voir ce qui. C'est la partie que j'aime dans l'élevage et la culture. Quand tu peux te servir ta production, ça fait plaisir. Je te dis qu'on mange. Qu'on a semé, on mange qu'on a élevé. C'est cette joie qui anime le leveur et je vais partager cette joie avec vous cette année. Donc, en réalité, on fait ça pour que ceux qui sont déjà si grands ne soient pas trop mieux et on peut plus les utiliser. Donc, pour en faire cette opération ce matin. D'habitude, au pays, on le fait avec la main, mais moi, je préfère le faire avec les ciseaux. Une fois, je l'ai fait ainsi. Les gens me disaient que ça va empêcher les autres de se régénérer, mais moi, j'ai dit non. Ça va régénérer. Et ceci, je viens d'arracher ça sur le champ. Je le laisse, ça va servir de compost. Ça. Vous pouvez voir pourquoi on fait l'opération aujourd'hui. Vous voyez comment cela est déjà trop grand. Ça ne doit pas aller jusqu'en haut ici. Donc, on doit arranger cela. Vous voyez, d'autres sont très très élancés. Ce n'est pas bon. Mais c'est ça qui nous pousse à faire la récolte ce matin. Ça sera de du jardin à la marmite ce matin. Coupe ça. Coincé.
Donc, on a profité pour prendre deux zucchini. Donc, ce sont nos courgettes. D'habitude, ils sont plus gros que ça. Ils sont plus grands que ceci. Mais bon, je les prends aujourd'hui comme ça. Prochainement, est-ce qu'il y a bien avec cette coupe-là, c'est que pratiquement chaque deux ou trois jours, on peut récolter ceux-là. Ils sont vraiment prolifiques. Donc, c'est ça. C'est ce qu'on fait, après la récolte, on l'arrange. Et c'est après ça qu'on peut faire notre sauce. Voilà. Vous voyez, ça c'est du champ à la marmite. Du champ à la marmite. Vous pouvez ne pas la couper ainsi, mais bon, je préfère le faire ainsi. Vous voyez, c'est ceux-là que je dépose, parce que je n'ai pas besoin de ceux-là. Le champ à la marmite. C'est ce qu'on va faire ce matin. Bon, après le processus, après avoir nettoyé, on va laver ça un peu. Si ça venait du marché, on peut utiliser certaines. Il faut le nettoyer, mais ici on le fait directement, sans chimiques, sans produits chimiques. Je vais faire un big jump après ceci, vous allez voir ça quand ça sera prêt. Je vais garder mes petits secrets de cuisine pour moi seul. Ok, à plus. Donc voici le résultat final de nos récoltes de ce jour. Donc, je vous invite à venir déguster notre ADEME de la ferme à l'assiette, du jardin à la ferme, du jardin à l'assiette, non? C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons récolter notre ADEME. Donc, c'est ce que nous avons eu à faire ce matin. Nous sommes partis dans notre jardin, on a récolté et notre ADEME pour pouvoir harmoniser nos plants parce qu'il y a d'autres qui sont plus grands. On doit les mettre à niveau pour qu'ils puissent grandir en une parfaite symbiose. Donc, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui et nous allons déguster les fruits de notre jardin. Si vous avez aimé la vidéo, ne la gardez pas pour vous seul. Partagez-la autour de vous pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne Zero Group. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partagez-la au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et n'oubliez pas surtout, un pouce pour YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi, à la prochaine. Bye bye.